Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Nous sommes très contents avec nous aujourd'hui pour nous parler de secteur musique là et donc événement. Nous avons dit que nous avons longtemps, et nous avons gardé l'événement. Mais ce qui est certain, c'est que de formation musicale que nous avons très longtemps, nous avons gardé la main. Nous avons commencé par Tivaïs, aujourd'hui nous allons parler de Tivaïs qui fait que sur son musique par attaquer et puis de trois musiques que disciples sortir. On commence avec Tivaïs. Tivaïs qui depuis quelques temps, et c'était une période de doute, et Tivaïs résout rapidement. Et Tivaïs a pratiquement une force que le reprend après passage à Nouvelle-Calédonie, qui confirmait que le son gros jazz, parce que aller Nouvelle-Calédonie jouer devant des milliers de personnes, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas n'importe formation musicale qui a fait type de exploit. Tivaïs fait partie de Rome et formation musicale sur ces 20 ou 30 dernières années qui assez confortablement vidé sous un marché international. Sans que nous pas exagérer. Tivaïs quand même une histoire au parcours qui longue quand même avec de grandes prestations au Zénith à Bercy et notamment Nouvelle-Calédonie au Panama tout ça. Donc on a parlé de Tivaïs, on a parlé tout simplement d'un gros jazz, un jazz qui prouvait à travers le temps que son institution qui solide, qui traverse vents et marées et qui toujours le management puis toujours joindre les stratégies pour le rester en vie. Donc 30 ans plus tard, Tivaïs se positionne encore dans la cour des grands. Il n'en demeure pas moins que malgré tous ses exploits, il y a une attente de nouveautés pour Tivaïs, notamment dans différentes prestations, dans le festival, il y a une sensation de déjà vu et de déjà entendu. Donc un nouveau album pour Tivaïs ou bien une nouvelle musique pour Tivaïs, il était presque répondre à un impératif. Ce qui est certain, c'est qu'il a finalement lagué une musique qui n'est pas attaquée. Donc nous là pour nous dire rapidement qu'ils ont pensé de musique pas attaquée. Ce n'est pas le genre de musique qui m'a dit de grandes réflexions en termes d'analyse. C'est une musique qui fait, qui a un objectif précis. Et l'opre toute constitution musique là, ou est-ce une musique qui fait pour des événements de foule, c'est une musique qui fait pour mettre ambiance, c'est ça que l'on musique fêtée, une musique clubbing, ça veut dire le genre de musique où la gueule en espace et puis mon campé sous chaise, mon après le mouille et un chanteur qui l'ont interaction pratiquement sur toute longueur musique là avec public là, le genre de texte qui très pauvre, ça veut dire que pas gagne grand chose dans texte là, type de musique ça y est généralement y a pas porteur sur les de gros textes qui gagne poésie parce que c'est pas de musique qui met tout en configuration pour faire réflexion, son musique tout simplement wally c'est pour amuser, wally c'est pour le faire voyant là. C'est pour le faire monter, monter sous chaise, relais en mouille, écraser, briser. C'est ça, objectif musique là. Et son spécialité, il y a deux jazz qui vraiment spécialisé au lancer. Et sous 20 dernières années, naturellement, il faut parler également de la période de Sweet Me qui était très confortable sur le type de musique ça. Et Tivaïs c'est un là de yo, Diakout c'est l'autre là. Ça veut dire que c'est deux jazz qui fait de musique qui formaté pour ambiance extrêmement surchauffée. Donc pas attaquer c'est ça. Un texte simple qui pas gagne trop réflexion la donne, un texte côté que nèg yo en sens tête yo, yo passé tout côté, yo crasé brisé, c'est Tivaïs qui jazz qui mauvais a, pas attaquer Tivaïs parce que soit attaquer Tivaïs soit monter sur récif. Donc en gros c'est ça le contenu du texte. L'autre fait qui ou doit remarquer là et là indépendamment de aspect texte ça, Tivaïs qui était lui-même au niveau de l'écriture, c'est pas première fois Tivaïs fait de texte qui porter type de message ça yo, ou bien type de revendication ça yo. Tivaïs habitué fait ça. OK, quand il est arrivé la musique là, Tivaïs qui était égal à lui-même. Le dernier album Tivaïs, Tivaïs tout petit genre dénaturé tête lui, peut-être pour répondre à un courant qui t'a marché, Tivaïs peut-être venir mettre en pile élan de modernité sauvé au niveau de non seulement de sonorité mais au niveau de groove qui ton petit genre différent de marchandise Tivaïs habitué délivrer. Et en ce qui me concerne, je pensais que ça n'a pas de bail de bons résultats pour Tivaïs. La raison est simple, c'est que Tivaïs a une histoire, Tivaïs a une fanbase qui finit habitué et toléré, pour ne pas dire remet, tout type de production que Tivaïs a qui t'a identifié Tivaïs. Production Tivaïs, son production, j'aime Julia, qui est extrêmement surchauffée. Ce n'est pas que vous n'êtes pas à l'aise dans la musique à mid-tempo ou bien dans le compas love you. Il fait deux trois musiques à succès là ça mais Tivaïs est toujours elle comme machine de guerre, on dit jazz qui est extrêmement agressif et c'est ça Tivaïs vient vendre la musique ça il vend ça le fait plus bien, il vend groove là, musique là qui en pile groove ou capable de remarquer que choral yo fait droite, c'est de bon choral de toute façon. Olivier Durette dans choral là pas capable,
c'est de bon choral, mais ouais, c'est de choral qui fait droite, c'est pas de choral qui harmonisé. Ça veut dire que même la choral là, yo mettez le longin pour message arriver direct sur vous. C'est pas un choral comme si qui gain nèg k'ap fait alto, nèg k'ap fait mba konnen et ténor, pas gain toute cause ça le choral là, son choral qui droite lié. Li droite, li bien filé, li pas gain harmonisation. Ça veut dire que type de musique ça yo, généralement c'est type de choral ça qui est approprié à elle. Et groove là extrêmement présent. Interaction entre chanteur avec auditoire là, li mettel la musique là, li pral servir sur le grand événement, le festival Jean Remédia. Et en pile présence guitare, surtout de manière groovy, et puis ou Ronaldo qui est extrêmement précis, extrêmement percutant sur le solo qui bot là. Donc en gros c'est ça, tout ça qui constitue ou compas direct piqué devant ou joindre la musique ça, ou joindre agressivité là, ou joindre bridge là, généralement pour arriver dans choral là. Ou jeune de percussion qui est extrêmement solide, compliment à batteur qui jouait son musique ça, donc monsieur font good job, et puis compliment également à travail qui fait au niveau de guitare. Donc une musique simple, ou compas direct simple, bien charpenté, qui était souvelé la couleur que Tivaïs habitué pour vos ennemis. Et pas gagné de nouveau la donne, Tivaïs qui était lui-même, et je pense que son choix calculé qui répond peut-être à un ensemble de activités que vous faites aujourd'hui, qui confirme que son jazz qui malgré le temps extrêmement puissant, c'est un rappel que nous fait la musique ça pour dire que yo toujours là, et puis son mise en garde tout, et dans une certaine mesure à tout jazz qui pral jouer avec eux, pour faire comprendre que l'on pral jouer avec Tivaïs ça, ou pral en face un adversaire redoutable. Moi c'est que c'est sa fonction musique là, passer message ça. Et deuxième aspect musique là, c'est une musique d'ambiance qui pral peut-être permettre que Tivaïs sorti là où certaines monotonies au niveau de sa prestation dans le festival avec pratiquement le même répertoire depuis quelques années. Donc je pense que la musique ça réunit toute capacité pour craser, briser dans n'importe activité que nous-mêmes nous relais festival. Donc je pense que son bon calcul que tu vas faire, son bon compas direct, c'est pas un compas direct Mbaldo qui est extraordinaire ni quoi que ce soit, mais mission lui, je pense que l'a pas accompli. Je pense que son musique qui parle satisfait fanatique Tivaïs. Je pense que son musique qui parle très utile Tivaïs sur une série d'événements, que ce soit son marché national là, que ce soit son marché international là, n'a pas les marchés que jazz haïtien ou plus confortable là de nos bien jouer plus souvent. Ça veut dire que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la communauté antillaise au niveau de la France, je pense que musique ça réunit tout ingrédient pour satisfaire mon zaïo dans des événements tant que Bercy, tant que Zénith, tout ça. Donc Tivaïs une fois de plus à travers musique ça confirmé intelligence li et sens intéressant que gagne au niveau de stratégie. Donc en ce qui me concerne, j'ai une très bonne note pour le choix de Tivaïs. M'a forcément pas dire que m'ont bonne note pour qualité musique là, parce que comme je l'ai dit, c'est du déjà entendu, pas gagne de nouveau sous le soleil. C'est tout simplement un jazz qui fait ça l'habitude faire, sac bal résultat, sac marché sous l'IA, et puis choisi pour le rythme la donne. Comme dit le vieil adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Sorti là, Tivaïs, on nous font passer là, Disciple. Disciple sorti trois musiques, et on nous allait là, trois musiques Disciple, on nous allait, bon, un petit moment pour jeune. Ok, Disciple sorti trois musiques. Premièrement, il sorti trois musiques, il sorti le nom thématique. Disciple choisi pour faire les choses différemment. Côté que tout le monde a sorti album le moment, on s'attendait à un album de Disciple, et Disciple gagne album là déjà, parce que nous connaissons que Disciple gagne à peu près presque une quinzaine de musiques qui étaient déjà préparées pour l'album. Non? Donc Disciple choisi pour le passer sur l'album. Disciple sorti, il met une thématique autour de ça, il parlait d'un livre à trois pages. C'est ça? C'est ça, il parlait d'un livre à trois pages. Et ouais, il y a trois musiques là-dedans, il y a pratiquer ça au prêcher, il y a yon ti vengeance, et puis il y a mabgado ou nan jim. Qu'est-ce que nous allons dire sur musique Disciple? Premier bail, nous allons dire sur musique Disciple. Disciple fait trois musiques, côté Disciple, les mêmes, il était égal à tête et tout. Disciple sont jazz qui est capable de vanter tête, que généralement, il y a deux textes qui sont assez bien écrits. Disciple sont la toute texte yo gon côté social la donne. La majorité texte Disciple, pour ne pas dire que si n'a promoté la génération ça, jazz qui gen plus musique à caractère social et engagé, c'est Disciple la compare. Disciple bat tout moun la sens ça. Ça dit que Disciple on dit c'est pratiquement la continuité de formation tant que Jimmy Nye All Stars ou bien tant que Missile 727. Ça veut dire qu'on chanteur qui a chanté tout le temps pour société a, ou chanteur qui a chanté tout le temps pour pays a. Il fait le souvler, il pratiquement essayer toucher tout aspect.
non seulement l'entrée dans l'aspect social là, l'entrée dans l'injustice, l'entrée dans la disparité sociale, l'entrée dans le fonctionnement nous en tant que société. Et je pense que la première musique sur l'album, là, c'est ça, Gazman fait la première musique ça, qui s'est pratiqué ça au prêcher. Ou texte qui est assez bien écrit, en d'un texte là, c'est où joindre un pile référence sauvée à une série de proverbes haïtiens et que vous arrivez à mettre ensemble là, un seul texte de manière ordonnée sans que vous pas perdu sens texte là. Nous sommes capables de trouver le simple, mais l'on approche assez intelligente au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que nous prenons deux proverbes. Chaque proverbe ça y a un rôle, y a une fonction, y a un message et puis mettez tout le texte et puis pour texte ça pas perdu sens lui montrer une certaine intelligence. Ces deux textes dans l'ensemble de écriture disciple là sont écritures qui simple, sont écritures qui direct et sont écritures qui ont des références de poésie. Il y a deux côtés où fait versification la donne mais au pas arrêté la versification net et puis assez souvent tout il y a deux passages que ou joindre de rimes plates ou joindre de rimes croisées dans tous les trois textes, ça ne pas faire analyse de texte en général sur chaque texte de façon toute particulière. La trois musique qui propose, il fait une musique piquée devant qui s'est pratiqué ça au prêché. J'aime Julia à la bonne école de Gazman. Les Gazman a fait compas direct que vraiment vérité la donne moi toujours me dit que ouais que son conservateur, ouais que c'est un nèg qui attaché à une idéologie musicale. Li gon bagaille que le croit la donne et dans quelle que soit la situation, li montre que le prêt pour le payer avec. Et moi je pense que moi j'aime ça, moi mes prises de risque ça parce que type de musique ça généralement c'est pas eux même qui marche. Donc on veut dire que la tendance actuelle là, les nègres fait type de musique ça, ils fait le pour clientèle qui au niveau de la communication publique paraît minoritaire, a dit clientèle qui a consommé bon compas direct arrangement cuivre tout ça, elles sont prennent bridge, c'est pas eux même qui paraît majoritaire si n'a regardé ça qui a passé sur réseau récemment. Ou bien si n'a regardé musique qui fait hit sur ces 10 ou 15 dernières années. Nous avons longtemps qu'un baguen ou compas direct piqué devant qui fait hit. Nous avons longtemps. Mais plus près de il faut remonter à Diakout, à Tivais et pour nous joindre vraiment de compas direct comme si qui pété plation qui fait hit. Nous avons quelques jeunes baguen ça. Et même les que Zafem avec musique là les Nak Soleil là qui sont compas direct bon piqué devant mais qui a fait résultat. Mais le résultat a venu à partir d'une série de bagages que Zafem pour ajouter, si vous voulez, la performance live. Yo. Mais le premier coach public là, par rapport à Zafem, c'était de l'eau douce, c'était le plein, qui c'est de musique qui généralement à mid-tempo, donc qui confirmait, si vous voulez, que musique à tempo. L'un, il a marché, il a atterri plus vite, si vous voulez, que qu'on peut dire du piqué devant. Donc, musique ça, et pas prêcher, et pratiquer ça au prêcher. Hein. Je pense que son compas direct sérieux. Son compas direct sérieux. Que tout nèg qui te remet DP Express, qui te remet Frédé Jean, qui te remet Skachak, qui te remet Tabou Kombo, nèg qui était attaché sur l'ancienne école là, il y a pour retrouver la donne et disciple. Gazman Collier, c'est justement un disciple de l'ancienne école, son disciple de la génération 70-80. Et c'est ça le vent de la donne. Mais pendant le vent de la donne, il mettait des éléments de modernité la donne tout. Éléments de modernité, c'est le traitement choral. Ça veut dire que disciple toujours gain de bon choral et c'est de choral comme si qui extrêmement bien huilé qui harmonisation la donne de bon travail qui fait la choral sur l'ensemble de trois musiques disciple. Donc la première musique ça pratiquer son prêcher, bonne qualité d'écriture, Gazman Couleur, bon performance sérieux et monsieur porter message là avec toute émotion que il doit porter. Le type de musique là, ça veut dire que monsieur a une attitude vocale, si je suis capable de dire comme ça, qui a un rapport étroit avec le contenu musique là. Performance guitare impeccable et présence cuivre là, arrangement cuivre, parfait. Choral là, rien à redire et tout ça qui caractérise le compas direct dû à la bonne école de 70, nous venons la donne. Nous venons deux guitares, une guitare qui a fait solo, très intéressant, qui parfois fait avec un son distorsionné, qui est assez intéressant. Ça, c'est un bagage qui vient d'entrer dans le compas depuis les années 70, avec peut-être comme chef de file Ruben Martino. Nous avons dit Negori était dans ça. Et puis, deuxièmement, guitare accompagnement, si vous voulez, qui a fait travail rien. Ça veut dire avec toute rigueur qui caractérise rien compas. Donc, nous venons la donne. Nous venons aux percussions extrêmement solides, extrêmement musclées. Bon travail de tambourine, bon guis là qui kembe ou tenu
métronome normalement et puis batterie qui pas fait trop extravagance mais qui fait deux sorties avec un traitement de cymbales qui est assez intéressant. Donc tout panoplie bon compas nous capable dire que nous joignons la musique ça pratiquer son péché que me penser que si c'est mélomanoyer si son on est qui remet compas direct et wap bay disciple vote là wap bay disciple soutien par rapport si vous voulez à qualité musique ça pratiquer ça au péché me penser que c'est un bon grain de musique. Deuxième musique disciple fait sur album là et alors sous projet ça un livre à trois pages me très remet thématique ça tout et deuxième musique là et c'est musique que les Yonti Vengeance. Yonti Vengeance et on compare mid tempo et arrangement intéressant, forme mélodique intéressant, performance vocale gazman de la musique ça extraordinaire. Son musique qui m'a des détresse les rap chanter par rapport à contenu textuel m'a des détresse, il m'a des émotions, il m'a des souffrances, il m'a des rages, il m'a des haine. C'est on est qui a parlé de souffrance et qui décide venger. Et lui montrer satisfaction tout. J'ai dit, la vengeance est un plat qui se mange à foi. Vous sentez que l'envoi, monsieur, il y a des éléments de satisfaction. Il a parlé de moment de vengeance. Et puis, il y a des éléments de souffrance. Il a parlé de raison qui menait la vengeance. Donc, nous devons que lui extrêmement important. Et nous devons dire que si on a la force gazman, c'est capacité pour transmettre émotion. C'est de l'arrangement qui est léger, mais qui est extrêmement bien fait dans la musique. Ça. Naturellement, là, tous les deux musiques. Ça. Je dois vous dire que ni musique qui ont une vengeance, là, ni musique m'a gardé dans le gymnase, c'est deux musiques peut-être qu'on est capable de faire même type d'analyse pour eux. À part une légère différence entre les deux, on a privé sur ça, on a privé dans le gymnase. Donc, une petite vengeance, j'aime dire, c'est une musique extrêmement bien arrangée, mais naturellement, moi-même, moi, j'ai des problèmes avec tous les deux musiques. Ça, c'est au départ deux musiques où on sentit qu'ils ont un petit côté très élevé, que ce soit la performance vocale, que ce soit la forme arrangement, que ce soit le choix de notes, que ce soit le choix de son. Nous trouvons qui très intéressant au départ et puis bon côté on a l'impression que mettre musique là dit bam parle trop loin bam descend vient joindre mon yo donc on vient joindre souvle et de solo keyboard qui très solari on vient joindre de guitare avec gros code qui très solari à mon avis qui diminue souvle sous qualité musique là donc nous trouvons que Zambal dit nous trouvons que nous trouvons mes textes là. Nous trouvons mes performances vocales là, nous trouvons que mélodie est extrêmement intéressante, chorale est extrêmement catchy, mais nous pensons que nous avons une musique qui peut être beaucoup plus relevée si nous n'avons pas choisi de descendre niveau à la fin de la musique. Mais naturellement, c'est pour les besoins de la cause tout, parce que nous sommes capables de rendre nous compte de ces jours-ci, c'est que l'OLV niveau à trop, il y a des risques d'échec, et nous pensons que la situation disciplinaire, il faut mettre toutes les chances de son côté, il n'y a pas compliqué les bagailles trop. Li font musique qui est capable d'atterrir rapidement en dans souvle une musique qui à mon avis te gen des relents souvle de m'a dit te gen petit côté assez éclectique dans début musique là mais au vin outil gens banaliser la fin musique là malheureusement nous croyons que c'est la même approche pour deuxième musique m'a gardé dans gym nous trouve que phrase ça en lui même déjà une certaine poésie qui est assez intéressante un autre texte qui bien écrit les écrit simple. J'aime de l'aller diversification la donne et puis il gagne de côté que il aller s'ouvrir sous forme prosaïque que chanteur a libre chanter Jean Vlé il pas faire diversification pas faire tout ça mais message là clair là rapidement et ou comprendre ça qu'a parler musique ça m'a dit son balade compa il commençait ton balade compa c'est comme ça me relève ça veut dire que au niveau de forme mélodique là on sentit que il gagne influence sur les de la chanson française c'est pour ça mon qualifier de balade et puis bon côté tout ou tu es capable de dire des tirs de boléro par rapport avec tempo et puis là il veut en ré musique là il parle augmenter vitesse là et puis il parle tomber il parle entrer sur les la forme ça nous relève compa love là. À partir de moment ça, je pense que la musique a une intensité perdue, un niveau que le perdu. Raison simple, j'aime dire, les producteurs musicaux, un côté arrivé, ils disent bon, ils n'ont pas pris trop de prix, ils allé dans la solaria. Là, il y a un keyboard qui est entré, qui pour moi-même, au-dessous de niveau de départ musique. Là. Mais, libre à le marché. Je pense que toutes trois musiques, je parle là, musique qui atterrit plus facilement, qui arrive plus vite, non seulement par rapport à texte là, où on est texte, relation, garçon, femme, il arrive vite sous public là, deuxièmement par rapport à forme mélodique qui est beaucoup plus facile. Donc, je pense que c'est ça que je suis capable de dire à chaud sous trois musiques ça, bien que je ne peux pas tourner sur eux, parce que moi, je suis suffisamment pour moi chita opinion.
Mais par principe, moi, je dis à chaud, parce que disciple, je vais peut-être 6-7 fois avant de venir parler là, si je vais me faire 2-3 jours, à attendre. Donc, je ne vais pas retourner sur la musique, ça, parce que je pense que l'essentiel est dit. Ce n'est pas de musique qui propose un lien que nous pas habitués ouais déjà, que nous pas habitués d'attendre déjà. Que ce soit le cas de Tivaïs qui était égal à lui-même, il fait ça l'habitude, fait ça, qu'on marche pour lui, ou même titre que Gazman, lui pratiquement était égal à lui-même, ça veut dire que Riss l'habitude pour lui, lui continue pour lui, et lui dégager sur le même type de émotion que lui habitué et dégager sur le type de musique ça yo qui gagne soit caractère social ou bien sentimental relation garçon à femme. Donc ces deux musiques qui confirment le choix du disciple dans une certaine mesure en tant que jazz compas, choix musical mettre à penser disciple là, ces deux musiques qui confirment le talent de Gazman comme indiscutablement une plus grand chanteur compas de sa génération ou bien une plus grand chanteur tout simplement, et c'est de bagay à mon avis qui t'a supposé très utile pour ces deux formations musicales. Nous t'a souhaité que nous prenons pour nous tendre, nous prenons pour nous apprécier avant que nous arrivions à des conclusions hâtives. Moi pense que tous les deux jazz méritent respect et accompagnement par rapport à la musique sayo que vous sorti. Nous avons besoin d'écouter autre chose, nous avons besoin de nouveautés, basé de nouvelles propositions, nous avons besoin de l'autre musique. Et parce que nous avons des répertoires qui peut être trop anciens, que nous avons consommé et pratiquement tous les week-ends, qui ont besoin de sauver deux, trois nouveaux bagailles là-dedans. Je pense que Tivaïs peut être pour nous. Même là, je pense que par attaque n'est pas suffisant, je m'attends à autre chose. Et je pense que Disciple, quand même, bat nos trois musiques et qui, quand même, sont plus dans le répertoire Disciple. Donc, je me dis compliment à Disciple, compliment à Tivaïs. En ce qui me concerne, l'animateur culturel que je suis, ou bien le journaliste culturel que je suis, ou bien la critique que moi j'ai, moi extrêmement confortable à production de Jazz Zayo. Je me dis bonne chance et je me dis compliment pour Musique Zayo. Pipo Saint-Louis pour Alternative Plus, l'encadre analyse sous musique qui sortit. Je suis dans les rues, nous attendons l'église qui a son cloche là, n'a pas excusé pour ça, même si vous réagir sur deux Musique Zayo le plus rapidement que possible. On se retrouve bientôt pour prochaine musique qui sortira pour type d'analyse ça. Nous souhaitons vous satisfaire. Si vous ne comprenez pas, comprendre, vous écrivez dans les commentaires. Nous la guéchons. Et pas oublier, non, très important, suivre page Alternative Plus là, parce que nous sommes certains que nous faisons la différence. À bientôt.